2014, la population se prépare à faire les dernières courses. Objectif, aborder la nouvelle année dans la convivialité. Un problème se pose cependant, la flambée des prix des denrées alimentaires. La viande, le poulet, les légumes sont jugés trop chers pour les habitants de Yopougon-Jesko. Si tu envoies 10 000 là, tu peux rien payer. Le poisson seulement a peu fini les 10 000. Le marché est cher, vraiment c'est cher. Non seulement la vie est dure et puis le marché est cher. C'est assez cher en tout cas, voilà. Parce que ça tourne autour de 5 à 6 000 francs, voire 7 000 francs, une pintade. Voilà. Voilà, par rapport à l'année passée, je pense que cette année, les prix sont un peu plus élevés. Vraiment, on ne peut pas payer, tout est cher. En tout cas, on a encore essayé de diminuer les choses. Les vendeurs expliquent cette situation par la hausse des prix chez les grossistes. Le marché est cher parce que nous qui vendons chez les grossistes aussi, nous prenons cher. Donc, on est obligé de leur faire cher aussi. On ne peut pas diminuer parce qu'on vend pour bénéficier. Si on doit sortir en perte, là, on ne peut pas. Toujours est-il que la bonne nourriture sera au rendez-vous. On a prévu recevoir la famille, les camarades, tout et tout. Les enfants, parce que c'est la joie, c'est la fin de l'année. Je vais faire de la salade paysanne, la sauce arachide et puis un peu de frites. Un peu de frites. Voilà, pour que toute la famille puisse bien manger. Malgré cette hausse des prix, la population entend passer une bonne fête du Nouvel An.